Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bonjour à tous. Donc, je pense qu'il est temps de présenter nos projets personnels. Donc moi, mon projet, comme vous pouvez le voir dans le programme, il s'intitule Plongée abyssale. Et donc c'est une création originale qui est comportée de trois pièces. La première partie, elle s'appelle Immersion et c'est un jeu sur les timbres et les couleurs des instruments. Elle est écrite pour guitare, batterie et bande-son. La seconde partie, c'est plus centré autour des musiques actuelles. Et elle est basée sur le langage morse, en fait. Le terme SOS en langage morse, qui s'écrit trois brèves, trois longues, trois brèves. Et la dernière partie, c'est un extrait de la pièce de Steve Reich, la pièce pianophase. Et, en fait, ça consiste à faire un motif entre deux instrumentistes et un des instrumentistes accélère le tempo pour décaler pour que la première note du motif arrive sur la deuxième note et ainsi de suite afin de créer ce qu'on appelle un déphasage. Merci. Bonjour et bienvenue dans l'USG Ishimura. Installez-vous confortablement et libérez vos sens afin de profiter au maximum de cette expérience. L'équipage et moi-même vous souhaitons un agréable voyage. Attention, lancement du processus d'immersion dans 5, 4, 3, 2, 1...
What?
Merci. Je voudrais remercier Simon Ball qui a bien voulu m'accompagner dans ce projet. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, heureux pour la troisième fois. Moi, je m'appelle Quentin, donc je vais vous présenter mon projet, qui est aussi en trois parties. C'est un projet qui symbolise le cercle de la vie, symbolisé par les oiseaux, donc qui a de la vidéo en même temps. Et donc la vidéo, elle n'est pas calée du tout sur la chanson, sur les morceaux, mais elle est juste un support à votre imagination. Parce que la musique, c'est beau à écouter, mais c'est encore mieux de se faire une histoire avec. Donc je vais commencer par un petit morceau sympathique pour voir un premier aspect de la guitare, parce que j'ai essayé de décliner dans mon projet tous les styles, ou quelques styles qu'on a pu étudier au long de ces années au CRD. Et donc un petit morceau sympathique de Steve Vai qui s'appelle « Get the Hell Out of Air ». Thank you.
Maintenant, je vais vous présenter le deuxième morceau où je joue tout seul avec un looper. Donc une loopstation, c'est un appareil qui sert à, donc soit en live à faire des boucles et jouer dessus, soit les pré-enregistrer et pouvoir les présenter sur scène ou s'en servir pour passer des samples. Alors le troisième morceau est un peu plus calme parce que je vous avais prévenu d'un petit morceau, c'était pas tout à fait ça. C'est un morceau de jazz fusion créé par Jaco Pastorius, un bassiste, et c'est un morceau qui s'appelle Birdland. Thank you.
le temps de finir à installer le plateau pour accueillir Xavier et Re-Alexis pour m'accompagner sur mon dernier morceau. Je vais vous présenter le dernier morceau qui est, pour changer encore une fois de style, un morceau de jazz manouche écrit par Django Reinhardt, le guitariste franco-belge, qui s'appelle Oiseau des îles, pour rester toujours dans le thème. Voilà, je vous laisse le découvrir.
Oui, alors pendant qu'on installe le plateau pour le prochain projet, j'aimerais remercier tous les gens qui m'ont aidé sur ce projet, notamment mes amis musiciens et mes professeurs, parce que nous n'en serions pas là sans eux. Alors je leur dis merci. Alors, bonsoir à tous. Moi, c'est Julien Lefebvre. Je vais vous présenter donc un projet intitulé Crépuscule bassistique. Alors, ce projet va consister essentiellement à la synchronisation du son et de la lumière. Donc, j'ai vraiment basé mon travail là-dessus. Et donc, alors pour le il y aura trois titres. Et donc, pour le premier, il s'intitule, donc tout le monde connaît, c'est Imagine de John Lennon, mais revu façon basse, avec des arrangements derrière, etc. Des petits ajouts. Voilà. Bonne écoute. Excusez-moi, petit problème technique. Merci beaucoup. Alors le prochain titre s'intitule donc Doodle de Metallica. Alors je vous
dit, bon, vous allez me dire encore du hard rock. Mais non, pas du tout, en fait, c'est un titre très simple, très calme, fait à la basse et à la guitare. Donc, Alexi Adamczak, que vous avez vu tout à l'heure, va m'accompagner sur ce morceau. Ouais, merci. Donc le prochain morceau s'intitule donc c'est One of These Days de Pink Floyd. Donc je tiens quand même à appuyer sur le fait sur le gros travail qui a été fait au niveau lumière, pas seulement mon travail, mais surtout le travail qui a été fait ici, ici sur cette scène, parce que c'est quand même un boulot quand même monstre. Ça fait deux jours qu'on y est pour installer tout ça. Donc je tiens quand même à remercier toutes les personnes qui sont là-haut là d'ailleurs. Hein, donc Kevin, PJ et et Denis. Ainsi, bien sûr, que nos professeurs. Hein, donc, moi, mon projet, comme il se passe sur MAO, donc la musique assistée par ordinateur,
Donc, comme ça fait partie de nos cursus, donc, c'est pour ça que j'ai souhaité l'utiliser. Hein. Ça, c'est M. David Jeannequin, je ne sais pas si dans la salle, je vous remercie aussi. Et puis un grand merci aussi à François Tourneur, notre professeur de musique préféré. Un grand merci.
Merci beaucoup. Je tiens à remercier, donc, j'ai oublié Simon Ball à la batterie. Et on peut encore remercier Alexis Adamzak à la guitare de m'avoir accompagné. Merci. Bonsoir. Alors, on va dire peut-être qu'on connaît. Donc, moi, c'est Amédée Flamand. Ici, je suis avec Victor. On a décidé de faire le projet CEMA2. Et ce projet sera exclusivement sur des compositions qu'on a faites ensemble. Donc, là, je viens de faire une pièce que j'ai appelée Wave, qui est donc en piano solo. Je vais laisser la parole à Victor pour le reste.
Donc notre projet s'appelle Inside Us, donc exclusivement des compositions, comme le disait Amédée. Et ce choix s'est fait parce qu'on compose ensemble depuis maintenant longtemps. Et donc le CEM était pour nous une bonne occasion de pouvoir montrer nos compositions. Donc la prochaine chanson s'appelle Doops. Et donc je vous prie d'accueillir Gaël Debras à la basse, qui devrait être là, qui est là. Merci.
Donc cette composition s'appelait Doops. Maintenant, nous allons vous jouer une composition qui s'appelle Stop Crying My Heart, qui est donc une composition plus soul. Nous enchaînerons sur une autre composition un peu plus fusion, progress. Vous verrez par vous-même, je ne sais pas trop qualifier. Avec plein de mesures composées, tout ça, ça va être super. Et nous finirons, enfin, Victor finira donc avec un duo de batterie, avec son professeur, qui ne veut pas qu'on le nomme. Donc je ne le nommerai pas. Et tout de suite, donc, nous allons accueillir Manon pour nous accompagner sur le prochain morceau. Sous vos clap-clap. Thank you.
Voilà, c'était les projets SEM pour cette année. 15 minutes de délibération et on pourra vous donner les résultats de cet examen tout de suite. Donc partez pas tout de suite, on revient.